Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the Republic, et on se retrouve du coup comme promis, voilà je me suis mis là pour pas oublier, pour la bataille ici. On a normalement une bataille à faire contre ces cons. Donc ils ont souffert, ils ont pris de l'attrition, ils ont toujours leur hoplite noble de badass, on est censé gagner. En même temps on est quand même très 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 nombreux. Je pense que là pour le coup sur un siège l'IA gère beaucoup mieux que moi, mais on va quand même la faire. Voir si on peut tirer notre vengeance de ces petits hoplites. C'est parti. Parce que mine de rien on prend de l'attrition aussi nous, hein, même si visiblement elle est un peu moins forte. Donc on a une armée peut-être pas d'élite mais capable. Ce qui est déjà bien, on a des renforts également qu'on va pouvoir envoyer au casse-pipe assez aisément. Alors, comment ça se présente? Une porte ici, une porte là. Ça a l'air d'être assez bien protégé par de la caillasse sur les côtés. C'est un peu dommage. Du brouillard. Ouais, non, ça me va. Ça veut dire qu'il aura plus de mal à nous tirer dessus. Alors, nos renforts arrivent là. Donc, on va essayer de se mettre du même côté qu'eux. À savoir attaquer ce mur, ouais, c'est pas mal. Il y a moyen de passer. On peut pas voir pour l'instant la portée de cette tour, mais il y a moyen d'aller directement jusque là-bas. On va faire ça comme ça me paraît pas mal. Donc, on va mettre les engins de siège et on va les lâcher, on les donnera au Versacrum. Hop, une petite ligne, une autre petite ligne derrière de tireurs. La cave malheureusement va nous servir à rien étant donné que les portes sont très loin. Mais c'est pas trop grave. Et on va commencer. Le jour tant attendu de cette bataille convoitée est arrivé. Prenez vos Donc on armes va attendre les renforts. Nos renforts sont arrivés. Pas de stress. Donc vous allez prendre ça. Vous allez prendre ça. Et vous allez prendre ça. Voilà. La bataille tourne en notre faveur. La bataille tourne en notre faveur, elle a même pas commencé la bataille. On va détendre. Est-ce qu'on a des gens qui ils ont j'ai pas l'impression qu'ils aient pris mes ordres en fait. Ah si, ils ont pas de flèches mais ils avancent. Très bien, donc on va laisser les gens commencer à bouger. En attendant, on va arranger un peu tout ça. Hop. Ça, c'est le général, ça. Hop là, petit lancier. Ils sont les lanciers. On va les mettre là. Hop. Grosse, grosse armée, hein, mine de rien. Ça fait bien plaisir. Vous à l'arrière. Voilà, on est pas mal. Donc on a les trois unités qui vont tranquillement se déplacer pour récupérer ce qu'il faut. Du coup, les frondeurs. Ils vont nous faire un gros tas comme ça. On prend tous les lanciers qui ne se déplacent pas. Et on va nous faire une ligne ici. Les mecs avec des épées, ils vont se mettre derrière. Eux aussi. Hop. Et ensuite, tous les montagnards qui ne se déplacent pas, pareil. Vous allez tenir ce côté-là. Voilà. Et on va passer en vitesse 3, le temps que ça se cale. C'est pas eux que j'ai envoyé s'occuper du siège. Je crois que j'ai envoyé mon général s'occuper d'une unité de siège. C'est pas forcément adéquat. Mec, pourquoi tu... Voilà. On va attendre un peu qu'il s'approche et on en prendra un qui bouge pas. Donc là, personne ne reste derrière, on est d'accord, oui. Tiens, bah vous là,
Non, vous êtes des épéistes sans bouclier, enfin quoi que... Oui, on voit que cette tour de siège là, personne ne la prend, donc vous allez la prendre. Dans une tour de siège, ils ont pas de bouclier, c'est pas trop gênant. Donc en face, on va les laisser courir, hein, on s'en fout. Nous, on se place plus ou moins. Allez, commencez à grimper les gars. Voilà. Donc là, l'échelle est prise. On a une tour de siège qui est bien partie pour. Une seule tour va pouvoir nous tirer dessus et ces tireurs. On les voit pas. C'est sympa parce que maintenant qu'on a des gens dans la tour en hauteur, on voit les murs alors qu'avant on ne voyait pas ce qu'il y avait sur les murs. C'est plutôt bien fait. Voilà, on va attendre et on va avancer tous d'un coup, hein, comme d'hab, pour essayer d'éviter qu'ils se concentrent sur un truc et que ça foute le feu trop facilement. Donc dès qu'on a le petit symbole qui est apparu. Voilà, ça devrait pas tarder. Montez les gars. Toutes nos unités sont pas encore en place, hein, donc on n'est pas pressé. Ok, donc là on a le lancier, ici on a de l'épéiste de base, qui va probablement galérer un peu à prendre la... le mur, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Un de chaque côté ici, l'échelle là. C'est parti pour le siège. On va prendre nos amis lanciers. Et on va les amener ici. Les frondeurs, qui sont hyper nombreux, on les amène juste devant. Parce que tout tir qu'ils pourront prendre sera toujours utile. Les épéistes, on va également les mettre derrière, prêts à intervenir, mais c'est eux que je voudrais pour pouvoir monter les échelles et tout et essayer de prendre un petit peu le pied. Et nos unités d'élite, elles vont se placer ici. Une autre cave, elle va rester derrière parce qu'elle ne sert à rien. Alors je pourrais les faire descendre, on verra s'il y a vraiment besoin de ça. Ce qui est dommage, hein, parce qu'ils sont bien améliorés, mine de rien. Ça y est, ils commencent à tirer. Dégâts du feu 2%. On devrait avoir le temps de se coller avant qu'ils nous mettent le feu. Alors ça c'est quoi? Des peltastes. Ok, ils pourront pas faire grand chose. Ah, ils peuvent peut-être tirer des trucs enflammés, je ne sais plus. On va voir. S'ils peuvent tirer des javelots enflammés, ça peut faire mal, hein. Allez, on y est presque les gars, 14% de dégâts de feu, ça va. Visiblement ils peuvent pas tirer de javelot enflammé, c'est tant mieux, ils nous laissent les murs. Soit ils nous laissent les murs, soit on ne les voit pas, mais j'ai l'impression qu'ils descendent quand même. Hein. Oui, on voit que ça bouge un peu là, mais rien de plus. Ok, il est en train de ramener des hoplites finalement. Parfait, on est au mur et il est pas du tout en formation, ce qui est nickel. Il est en gros tas à faire n'importe quoi là, donc on va pouvoir le prendre des deux côtés. Et ici nos frondeurs, nos frondeurs vont probablement faire beaucoup de tiramines vu qu'il n'y a pas beaucoup de. Qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Ouais, on va peut-être devoir les calmer les frondeurs d'ailleurs. Parce qu'il n'y a vraiment pas suffisamment d'ennemis pour que ça vaille le coup de tirer. Donc halte au feu les gars. On va prendre les murs et on verra après. Ici ils s'entassent. Nickel, on va envoyer. Des gens prendre l'échelle. Ici est-ce qu'on a moyen de descendre?
Ah non, malheureusement, on n'a pas moyen de descendre ici. Donc on va envoyer les gens courir ici. Ah, mais il y a des mecs sur le chemin, zut. Donc, du coup, non. On va plutôt aller par là. Je me disais, c'est peut-être libre ici, mais visiblement non. Les hommes sont hésitants. Ah ouais, bah là forcément les mecs ils galèrent à mort. Allez, non, passez par ici. Là, ils veulent pas prendre cette tour. Hein. Nos hommes fuient le champ de bataille. Pourquoi? Mais quelle honte! Ça y est, on dirait qu'ils commencent à bien vouloir. Il va falloir qu'on envoie de la troupe un petit peu plus efficace, visiblement. On va envoyer des frondeurs ici, je pense. Puisqu'il a laissé tomber ce côté-là. Notre général se fait attaquer. Donc c'est que d'être notre général, n'importe quoi. Grand classique, hein. Notre surnombre est beaucoup moins efficace dans le coin, bien sûr. Les guerriers lucaniens, ils prennent l'échelle, pourquoi pas. Bah, du coup, vu que vous prenez l'échelle, on va envoyer quelqu'un, on va envoyer une unité par là-bas. Ah, on a des unités qui sont descendues. Ouais, ça a l'air d'être plus ou moins en train de bagouiller. Hey mec, courez! Vous allez me prendre cette tour, mais non, mais pas par là! Et qui sont cons? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils vont par là? Je ne comprends pas. Il y en a d'autres qui sont un peu plus intelligents, visiblement, donc on va... Vous allez aller par là, du coup, plutôt. Vous étiez bien parti, pourquoi vous vous arrêtez, je ne sais pas. Allez, en avant. Ah ouais, bah levez vos boucliers, hein, mais si vous étiez un peu plus efficace. En avant, on y va. Alors... Oui, il y a des hommes qui s'enfuient, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Un peu, mais c'est pas ouf, quoi. Malheureusement, nos gars sont quand même assez mauvais. Je sais pas pourquoi les frondeurs ont décidé de monter par là, typiquement. Donc tirez-vous. On va envoyer notre général. Et on va repasser peut-être nos frondeurs en tir à volonté. On va essayer de les noyer un peu sous le nombre. Après tout, on est là pour ça. Donc ici, on arrive à prendre la tour, c'est parfait. Il n'y a personne visiblement par terre. Ça c'est quoi? C'est l'ancien qui s'enfuit. Ici, on a réussi à poser quelques frondeurs. Donc là on va capturer la tour. Dès qu'on aura capturé la tour, on pourra charger par là. Comme on pouvait s'y attendre, les murs sont très difficiles à prendre. Après on est au contact avec des peltastes. Notre général a décidé de passer par là. Visiblement ils ont du mal à prendre cette tour de siège là, je ne sais pas exactement pourquoi. Ok, donc ici on va pouvoir... Là on a quoi? Des peltas et des tirailleurs à cheval, ok, donc on s'en fout. On va plutôt charger sur ceux-là d'en bas. Donc ici... Ah, ici ils ont réussi à monter par là, très très bien. Ça c'est intéressant. On a de la rafale de caillasse qui leur tombe dessus, mais bon, ben, ça fait probablement plus de tir ami qu'autre chose, hein, mais c'est pas grave.
Le but c'est de les noyer un petit peu sous le nombre. En arrière, nos hommes fuient le champ de bataille. Allez, mais arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Essayez de passer par là, vous. Donc là, on a énormément de monde. Je sais pas ce qu'ils font par contre. Ah, mais il y a des ennemis là, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais, ok, ils ont dû. Comme ils sont moitié montés en haut là, ils ont dû être en mode un peu buggé. On va leur demander de prendre cette tour du coup. En priorité. Donc ça. Ils vont s'auto-inspirer, ils peuvent pas s'auto-inspirer, donc du coup ils vont rentrer en mode massacre. Puis ils vont inspirer un truc par là. Parce que pourquoi pas. Alors derrière il nous reste du lancier. Les mecs, préparez-vous à venir fight. Alors on a encore des frondeurs qui décident de monter par là, et ben c'est pas grave. Troupe de mêlée. Une unité entière a péri. Donc là on va accrocher ces cons. Voilà. Retard italique. Ah, les fantassins 5 litres d'argent qui font le taf quand même hein. Faut pas dire le contraire. Commandant. Les frondeurs ils couvrent un peu la zone là mais ils peuvent pas faire grand chose. Nous attendons vos ordres. Pour la gloire. Des ordres. Vous, bah, si vous pouviez vous mettre genre ici, je pense que vous auriez possibilité de tirer pas mal de petits tirs. Allez, pointez-vous. Après, c'est sûr que si vous essayez de vous faire des hoplites, ça va moins bien marcher. Attends, ça crouille sur les murs. Si on avait possibilité de les pousser dans le vide, ce serait quand même vachement plus confortable. Donc eux se font défoncer puisqu'ils essaient de combattre, alors que bah, du coup on leur a pas demandé. Ils sont mêlés en fait avec les hoplites là. Envoyer un peu de renfort. Eux malheureusement ne servent à rien et ça c'est bien dommage. Les guerriers lucaniens ici font pas mal de taf, ils neutralisent les tireurs. Ça y est, ici on va pouvoir tirer. Essayez de tirer sur ceux-là. Ce serait vachement agréable si vous pouviez faire ça. Et on a réussi à neutraliser la tour en passant en bas, ce qui est déjà très très bien. Même pas leur demander d'attaquer tellement il y a de monde partout quoi. Ah y'a, c'est en train de céder, parfait. On va essayer de se choper ces peltas qui sont planqués et qui arrivent pas à tirer. Visiblement en plus on est même déjà un petit peu engagé contre eux donc c'est nickel. Nos frondeurs devraient pouvoir nettoyer les tirailleurs assez efficacement. Ah. Arrêtez-vous. Je peux leur dire de s'arrêter, je ne sais pas. Ce que je veux pas en fait, c'est qu'ils commencent à s'enfuir de l'autre pour faire, je ne sais, pour tirer sur d'autres mecs. Ah, notre tour ici va faire le café, c'est parfait. Donc là, on a toujours des frondeurs par contre qui sont engagés. Ce qui est bien sûr très très mauvais. Essayez de vous dégager, les gars. Ah, il y a un gros tas hein, ici, hein, mais si on arrive à le faire céder, ça va faire sacrément du bien. Les guerriers lucaniens ont souffert, mais mine de rien, ils ont fait le taf en bas, et ça c'est très appréciable. Voilà, nickel, on réussira à passer. On a des lanciers qui arrivent en renfort. L'ennemi a détruit une tour. A détruit une tour. Non, a pris une tour, oui, d'accord, il a repris sa tour, il l'a pas détruit. Reculez un peu, vous. On va laisser les frondeurs faire le taf, faut reprendre cette tour. Il y a foison de frondeurs qui devraient être capables de leur faire mal. Voilà. Ok, on a réussi au moins à la neutraliser, pas encore tout à fait, presque. Parce que pour l'instant on se fait tirer dessus dans le dos, c'est chiant, voilà, ça y est, elle est neutralisée. Ils
toujours ça de pris. Là, faut se bouger par contre. Il y a un moment, faut en finir. Ici, c'est pareil, on rentre en massacre et on se bouge. On va inspirer des gens là. Ça grouille, mais ça fait pas grand chose d'autre. Est-ce que ça vaudrait pas le coup ici, peut-être de commencer à se descendre des frondeurs? Ouais, je pense que ce serait très intéressant. Venez là, les gars. Il y a moyen que vous montiez avec l'échelle sans qu'il y ait de fight. On va également prendre ces épéistes et les envoyer là pour faire de la place. Donc les peltastes tentent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils se font allumer. Si on arrive à descendre des frondeurs et à les retirer dessus d'en bas, en fait, là, ça va être très 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 rentable. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Pareil, vous, pointez-vous là. Donc là, on va en terminer... Ah merde! Mais ils ont presque rien perdu. C'est lequel qui est tombé? C'est celui-là. Ok, bon, c'est pas trop grave. C'est l'armée du Versacrum. On venait de le promouvoir, mais tant pis. Parfait, ça c'est fait. Donc vous allez tenir la tour ici. Et là, vous allez vous mettre dans l'autre sens pour éviter que des gens n'aient envie de se barrer. Vous allez venir ici couvrir. Et donc les frondeurs vont se mettre. Bah, il faudrait qu'ils soient là en fait. Courez par là. Vous aussi. Courez par là. Vous allez vous mettre dans le coin. Allez, hop. Je sais pas trop s'il reste des unités derrière. J'ai pas vu son général, donc probablement qu'il reste au moins une unité. Il faut qu'on finisse de nettoyer les murs avant toute chose. Non, vous. Pardon. Vous allez là. Eux, ils sont pleins. Ils vont pouvoir commencer à allumer ceux qui traînent. Lui, il se bat même plus. Il est tellement à l'arrière qu'il peut même plus se battre. On va se remettre en massacre ici pour venger notre général. Ils tiennent hein, les mecs, hein, forcément, ils font le taf. Hein. Est-ce que vous pouvez tirer ou pas là? C'est la question, je pense. Ah merde, vous êtes qui vous? Venez là. Ah, on peut tirer, mais c'est pas dingue. Ah si, ça y est, ça commence. Je sais pas c'est qui ces frondeurs. Hein. Mais ils sont très mal placés, de fait. Donc ils vont se faire dépiauter, c'est tout. J'ai envie de vous dire, désolé les gars, je sais pas bien ce que vous avez fait, mais du coup vous êtes morts, voilà. C'est bien triste. Est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de tirer sur des gens qui sont pas au milieu de nos troupes? Là il y a un gros tas d'ennemis là. C'est dommage, je peux pas leur tirer dessus, je pense que c'est parce qu'ils sont moitié rentrés dans la tour, je peux pas les viser en fait. Ça vise la tour de siège derrière, mais... Ah oui, c'est parce qu'il y a des mecs là, mais les frondeurs en bas, ok. Ah oui, non, mais ces frondeurs là aussi, je sais pas ce qu'ils foutent. Je pense que c'est à eux que j'ai donné l'ordre d'aller là, mais non, non, ils sont totalement à la rue. Ils essaient de descendre par là, en fait. Ce qui est complètement con, donc il faut qu'on leur demande de venir plutôt ici d'abord. Ça devrait permettre de les dégager un peu. On a réussi à mettre une unité de frondeurs en position, c'est suffisant pour leur faire mal. Peut-être envoyer cette unité là, voir un peu ce qui se passe. Parce que si le truc est libre, autant le prendre. Bon bah cette unité de frondeurs là, elle commence à flipper, normal. Là on peut peut-être les inspirer un peu, histoire qu'ils ne s'enfuient pas trop. S'ils sont emmêlés, donc on va les mettre en mode massacre. Ah, ça y est, ça a complètement cédé ici. Parfait, donc du coup, on va arrêter le tir. On
On va plutôt aller se mettre dans le coin là, voir s'il n'y a pas des gens sur qui tirer. Alors vous tirez encore, je sais pas sur qui, mais vous allez arrêter. Vous allez venir par là. Nous avons capturé une tour. Donc les murs sont à nous. Ça aurait été compliqué, une grosse bataille, mais les murs sont à nous. C'est parfait. On va donc pouvoir rentrer nos troupes. Pareil, les frondeurs, on va les rentrer à tout hasard, des fois qu'il y ait besoin. Ok, donc comme on pouvait s'y attendre, il y a le machin. Alors il y a la tour qui nous tire dessus là. On a très vite fait la choper. Et après, on va pouvoir, en plus c'est de la cavalerie, son général, donc on va pouvoir leur mettre assez facilement, je pense, des frondeurs dans la tronche. Vous allez vous mettre ici. Ça, vous pourrez leur tirer dessus, je pense. Ça sera, ils sont assez loin. Peut-être pas assez loin. Ce qu'il faut, c'est qu'ils nous chargent pas. Mais si on met devant une unité comme ça, voilà. Donc, ici, on va perdre quelques troupes le temps de prendre la tour. On s'en fout. C'est juste histoire qu'elle nous tire pas dessus dans le dos. Allez. Aïe, on est reparti, on s'en fout de la prendre. Ici les gens ils s'entassent un peu sur les murs, c'est normal. Vous tous là, vous allez pouvoir descendre. Les généraux aussi d'ailleurs. Ah merde, vous restez là pardon. Autant pour moi. Bon, est-ce que du coup on aurait moyen de leur tirer dessus? Voilà, parfait. Comme d'hab, si on peut éviter de s'affronter le général, on va le faire. Ils sont costauds, hein. Mais ils vont céder, c'est de la cavalerie donc. La caillasse va leur faire mal. Eh bien, comme on pouvait s'y attendre, ça a été compliqué. Bon, une tour de justesse, peut-être pas jusque là, mais... On a quand même perdu beaucoup d'hommes. C'était prévisible, hein. Face aux hoplites sur les murs, voilà, rien que cette unité d'hoplites là, de 72 morts. Mais c'est pas grave, on a fait le taf. Nous aussi on a tué des gens. Et surtout on a pris la ville et on s'est débarrassé de ces foutus doniens. Ce qui est une excellente nouvelle. On a un ratio négatif, ça arrive pas souvent, mais dans les batailles de siège on peut l'accepter. J'avais pas envie de la faire en automatique cette bataille de toute façon. Hop là, voilà. On a perdu quoi? Un montagnard et une infanterie légère, on s'en fout. Ici on a perdu le général et un lancier. Donc ouais, globalement ça va. Hein. La ville. Attends, si on pille, c'est la fête quand même. Ouais, on va piller. Ça leur apprendra. Alors du coup, il nous faut... On peut prendre un mec politicien samnite. Je crois que c'est mon fils celui-là. On va le prendre. Prêt pour vos ordres. Je vais vérifier, mais je crois que c'est lui. Hein. Oui, c'est ça, c'est lui. Nickel. Donc, comme ça, c'était gratuit. Et ça, prenait pas de. Enfin, ça servait à rien. Donc, ça, c'est une armée ennemie. On s'en fout. Alors, moi, 85, moi, 63, ça va péter ici. J'étais pas sûr. Mais ouais, ok, c'est cette province là, donc ça va péter, malheureusement. C'est pas grave, on s'est fait du blé, on va réparer. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à garder? Marché en plein air. Ouais. Et un centre-ville.
Ça c'est quoi un aqueduc souterrain? Ok, donc on va de toute façon devoir dégager pas mal de choses. Après cette province, on pourrait complètement en faire une province de bouffe un peu, hein. Dégager ce bâtiment-là, on verra. Bien, donc je crois qu'on avait fait un peu tout ce qu'on pouvait ici. Ah, ici, moins 18 maintenant. C'est bien malheureux. On peut peut-être recruter quelques troupes pour aider Axatienne. D'accord, on a des archers. Toujours pas très très utile encore les archers, mais ça va doucement le devenir. On va partir sur du guerrier du Cagne. Et ici, on peut recruter des trucs aussi. On va recruter un guerrier lucanien supplémentaire. On a des javeliniers ici et des tirailleurs. Ah oui, effectivement, les javeliniers sont bien plus efficaces, mais on n'a pas un besoin dramatique. Ça manque de lanciers dans cette armée. On va donc se permettre de prendre un petit lancier sabin en armure. Et on est pas mal, globalement on est pas mal. Donc ça va péter ici, c'est pas grave. On a deux armées dans le coin, on peut gérer. Et on est parti. Il attaque ici de nouveau. Ah oui, mais du coup là on est à poil par contre. Qu'est-ce qu'on a en face? Ouais, ça va être compliqué. Et on n'est pas bien refait ici malheureusement, vu que l'armée a pris beaucoup plus cher à cause de la bataille que j'ai dû refaire. On va quand même tenter, on va essayer de lui faire le plus mal possible. Donc ça fera deux batailles dans cette partie, deux grosses batailles. Alors. Malheureusement, notre unité d'élite de lanciers sabins a bien pris cher aussi. Alors, il s'est placé là comme la dernière fois, mais on ne sait pas où viennent ses renforts, mais probablement de l'autre côté. Donc, on va faire pareil, on va se placer dans l'optique où il va charger par là. Alors, la cave, malheureusement, voilà. Va pas servir à grand chose. Et puis tout le reste, on va le mettre là. Et c'est parti. On va voir d'où viennent ces renforts. Nombreux sont ceux d'entre nous qui portent des cicatrices gagnées en défendant. Ok, il a l'air de vouloir se mettre de nouveau. Les renforts ennemis sont en approche. Ah, et cette fois les renforts viennent par là. Intéressant. Nous aiderons nos ennemis à mourir. Mais il a l'air de quand même vouloir faire le tour. On va se placer là. Ouais, il va pouvoir se mettre en haut et tout pour tirer, ça va être un peu la merde ça. Peut-être devoir se replier un peu par là pour encaisser l'autre attaque. On verra. Bon, je sais pas pourquoi il tient absolument à faire le tour de nouveau par là, mais on va le prendre. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Mon général a quand même une belle air, hein. Visiblement. Quand il prend des niveaux, même si c'est pas un vrai général, il se renforce. Est-ce qu'on abandonne ça? Ouais, j'ai peur qu'on soit obligé. On va devoir se replier un petit peu. Alors ici on a des frondeurs qu'on va peut-être aller vite fait chercher avec notre cavalerie si elle est en état de le faire. Et ici bon, on va profiter qu'ils passent pour les défoncer. Hein.
si on arrive à se faire le général, bien sûr, ça sera bonus. Mais on dirait qu'ils veulent pas s'arrêter. En plus, nos mecs tirent sur les épéistes. C'est pas grave, ça fera toujours une unité de moins. Ouais, on va complètement envoyer la cavalerie par contre s'occuper de ces cons. Ok, donc c'est fait, mais leur général a pu passer sans problème malheureusement. Oula merde, j'avais pas vu ça. Ils sont déjà arrivés en fait. Il a envoyé sa cavalerie direct foncer dans le tas. Donc du coup on va reculer la nôtre. En plus il y a des tirailleurs à cheval là-bas. Ok, donc là c'est un peu la merde. J'avais pas fait gaffe qu'il pouvait passer là en fait. Je pensais pouvoir m'appuyer sur ce bâtiment, mais apparemment c'est pas le cas. Il va falloir qu'on se fasse ces tirailleurs extrêmement rapidement. Les hommes sont hésitants. Ouais, nos lanciers se sont fait dépouiller. Notre général se fait attaquer. Notre général. Les tirailleurs, faut qu'ils reculent un peu. Vous tirez ou pas là? Qu'est-ce que vous faites? Ok, ils sont même pas retournés. Alors, notre tirailleur du coup. Bon bah du coup notre cave ici s'est fait défoncer, mais ce qui m'emmerde c'est mes frondeurs qui sont incapables de tirer là, une fois de plus. Nos hommes fuient le champ de bataille. Ah, c'est très très chiant. Mais quelle ça. Honte. Parce qu'ils seraient tout à fait capables de s'occuper des tirailleurs à cheval, sauf qu'ils peuvent juste pas tirer quoi. Et ça c'est très triste. Pas d'autres mots. Ça y est, là, ils peuvent commencer à tirer, donc tirer sur ceux-là. Ouais, malheureusement, sans lancier, on va se faire défoncer par sa cavalerie. Les lanciers sabins font le taf, hein, mais ils sont pas assez nombreux. Les frondeurs font également le taf. Hein. Ça y est, ils sont réveillés. Bon après, voilà, on savait que ça allait être difficile comme bataille. Faut qu'on lui fasse le plus mal possible surtout. C'est le principal. Où est notre autre unité de... Elle s'est fait défoncer l'autre unité. Ok, très bien. Allez, tirez-moi sur ces cons. Alors merde, ils sont en train de céder. Ouais, ils se prennent des tirs, des peltasts, donc forcément ça n'aide pas. Vous avez plus de munitions, et ben dans le tas. Ah, ils s'enfuient, fait chier. Donc là, ça va commencer à céder, ça cède à droite. Essayer de leur tirer un peu dessus. Je suis pas sûr qu'on puisse faire très très mal au... Placez-vous. Ok, ça c'est pas si mal ça. On va pouvoir faire le tour et leur tomber dessus dans le dos par là. Mais là j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à tirer là. Ils font n'importe quoi. S'ils arrivent un peu à tirer, mais le problème c'est qu'ils vont probablement se prendre une charge de dos. Est-ce qu'on peut réussir à les attraper là? Bon après il y a leurs autres unités qui arrivent derrière, hein. On peut pas les attraper. Nos hommes fuient le champ de bataille. Ouais, nos frondeurs se sont fait dépioter quoi. Donc on peut plus rien leur faire. Tout ce qu'on peut faire c'est vaguement une ligne.
Notre général avec sa toute petite terre maintenant. Et on va devoir encaisser les tirs, donc là il va nous défoncer de loin, hein, pas de stress. Ce qu'on peut essayer de faire c'est charger tout de suite. On va garder des unités d'élite de ce côté là, on va envoyer là. On va essayer de charger tout simplement pour invalider un petit peu leurs tireurs. Là on va essayer de faire le tour avec eux, plus ou moins pour étendre la ligne de front. Allez c'est parti. Nos hommes fuient le champ de bataille. Oui bah les hommes qui fuient c'était des tirailleurs, hein. Forcément au corps à corps ils ont pas fait le taf. Allez c'est parti. On en termine avec ça. Un épisode un petit peu plus long que prévu. Il y a un truc qui me tire dessus dans le dos là. Ok, les frondeurs ils ont fini par se décider. Bon, c'est pas très grave, ça va pas changer grand chose de toute façon maintenant. On a les hoplites qui arrivent derrière donc. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Allez, on va mettre les sabins en mode armure. Ah, le général qui aura fait le taf quand même, hein, jusqu'au bout. Ah mais non là ils ont cédé aussi. Malheureusement c'est la fin. On va essayer de buter encore quelques mecs ici en les poursuivant avant de s'enfuir définitivement. Et on aura perdu cette cité, ce qui n'est pas si grave puisque de toute façon on allait avoir une rébellion. Au moins on aura une rébellion sur des endroits où on a une armée. Et on a largement les troupes pour aller s'en occuper. On a quand même réussi à leur buter 600 mecs, c'est pas mal. Donc une défaite, c'est pas grave, on pouvait s'y attendre. On va reprendre ça tranquillement lors du prochain tour. On a en échange pris une ville bien plus importante. Donc je pense que j'aurais dû effectivement tenter une petite diversion ici. Alors il continue d'avancer je ne sais où avec son armée. Et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.